On va t'envoyer un peu en Mauritanie, c'est pas bon? On est doux, alors en Mauritanie. Hein. D'accord. Hein. D'accord. Bon. Il fait son sidérien ici. Alors, il n'a pas de voler, on va prendre le pingamé là. Nous sommes 10, 5 hommes, 5 femmes. Voilà, mais moi, on a mal au mieux. Alors, non, je n'ai pas quoi demander de l'autre. Et toi, tu sais qu'il y a un dedans là-bas. Oh, le moyen, non, mais là, le que j'en mets. Et dès que là, on a une animal, je coupe, je te coupe, et puis je prépare. Non, on m'a fait parler, on est toujours mort. Alors, on va faire des choses, on voulait un décor. Elle dit, quand on vient à la viande là, les côtelettes là, je prends ça d'abord, ça n'a rien à voir avec le repas. C'est ça, il fait d'abord avant de préparer le reste. Quand tu fais entrer d'abord. Oh non, mais il faut que tu aies parlé. Elle dit, oui. Elle dit, avant de faire la sauce, ah, les côtelettes là, je m'en occupe d'abord. Les côtelettes, tu fais quoi, quelle sauce? Oh non. Il a un peu de temps. Oui, il y en a deux tranquilles. Pour abandonner tout ça. C'est sûr que tu l'as abandonné. Elle dit, elle est sûre qu'elle va quitter. Elle dit, depuis qu'elle a vu qu'elle est à Zaroko là, elle n'a plus fait l'affaire. Mais tu dois faire non la prière pour Zaroko. Elle a le feu, elle peut plus aller manger. C'est pour cela que tu me suis ici, parce que tu peux plus manger. Oh, là, il n'y a encore plus, il dit que bon gars, non? Elle dit, j'ai rien. Vous savez qu'il faut manger maintenant à Gogobro. Tu vas aller au Gogobro, là, il me dit ça. Gogobro, mais elle n'est plus là. Elle dit, tu as passé par où, quoi, là? C'est pas Gogobro pour te manger. Ah, mais Gogobro, il dit ça. C'est pas ça? Elle dit, depuis que vous êtes à Zaroko, elle n'est pas ça. Elle est malade ou bien? Hé, tu es malade ou bien? C'est pas Gogo que vous mangez. On l'a juste là, mais vous voulez. Elle dit les autres peuvent aller, mais elle va plus là-bas. C'est pas toi qui parlais, je suis pas en train de m'amuser. Je suis pas en train de m'amuser. C'est pas Gogo que vous mangez. Amenez vous voulez, gars. Amenez. Elle dit on va là-bas pour manger. Elle dit ça fait du temps, ça repose à feu. On ne peut pas le faire, ça va vous consommer. Vous voulez Tu sais bien qu'à Seigneur, s'il meurt, tu es mort. Oh, le brûlement est là-bas. Il n'y a rien à Seigneur. Oh, qu'on fout mon fou. C'est pas ça? Mon Dieu, drague, il fout. C'est pas ça? C'est pas ça, réponds-moi. Je te dis même plus tenter de passer chez moi. Réponds-moi ou bien? Oh, le bas. À Seigneur, qu'on fout, brûlement est là, mon fou. Elle dit comme ça qu'elle ne veut pas qu'il meure pour qu'elle meure. C'est toi qui as peur de mourir. La maison elle est faite. Non, elle demande quoi les filles. Va devant là-bas. Viens ici. Oh, toi, ça va pas les là. Alors, mais pourquoi ma femme a pour toi? Hein? Faut parler bien. Ouais, viens ici. Maman, où tu es? Là, ma mère. Comment t'as fait? Oui. Mais quelle est toi? On dit, maman, où tu es? Viens, viens. Viens, maman.
du mal âme. Hein? Hein? C'est quoi ça? Lève la tête pour parler. Il n'a pas dit que tu es sorcier. Donc faut être courageux, regarde-moi dans les yeux. Quand tu es sorcier, tu croises ton camarade garçon, faut le regarder dans les yeux, pas avoir peur. Tu es sorcier. Tu manges l'homme. Combien? Cinq personnes. Comment tu veux manger? Tu les tues pour manger. Comment tu fais? Comment tu fais manger? Je les tue avec couteau. Couteau. Comment tu fais? Comment tu fais? Je les tue pas. Tu les trouves dans la maison ou bien tu les trouves dans la rue? Je les trouve dans la maison. Comment tu fais pour les trouver dans la maison? Je me transforme à serpent. À serpent. Oui. Puis tu fais quoi? Puis je les mange. Hein? Et puis je les mange. Tu les piques? Oui. Et puis quoi se passe après? Puis je les mange. Tu as gâté qui? Cinq personnes. Hein? Cinq. Qui t'a donné? Mon papa. Dans ton papa, comment il t'a donné? Va derrière, va devant. Comment t'as dans la sorcellerie? Quand j'étais petit, il m'a amené un marabout. Et puis, il m'a donné ça. Attention là-bas. Viens ici. C'est un sorcier. Les gens ont parlé, on a tous entendu ici. Allons-y, on t'écoute. On dit quand tu as ceux qui passent, je suis là maintenant, balle. Allons-y. C'est mon nom qui m'a donné. On n'entend pas, hein? C'est mon nom qui m'a donné. Il mangeait, maintenant il m'a appelé de venir manger. Pourquoi il est venu manger là? Il n'a pas entendu, il faut lever la voix. Pourquoi il est venu manger là? Il a transformé le poisson en viande de l'homme. Il fait quoi? Il a transformé le poisson en viande de l'homme. Mm-hmm. Et puis il m'a donné. Quand il a mangé là, lui il est venu me chercher. Et bien, on est parti dans le sorcellerie. Et puis, il dit de tuer mon papa. Parle fort. Et puis, il m'a dit de tuer mon papa. Il a dit quoi? Il a dit de tuer mon papa. Mm-hmm. Maintenant, il a tué mon papa. Et puis. Comment t'as tué ton papa? Mon papa, il dormait. Donc, comment quelqu'un peut venir dire de tuer ton papa et toi, tu vas le tuer? Sans problème. Comment quelqu'un peut venir te dire tue ton papa? Pourquoi papa n'a pas Dieu? Et puis, toi, tu acceptes de tuer ton papa. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as fait ça? C'est pas ta demande. Donc ma réponse, quelqu'un vient te dire tue ton papa. Au lieu de dire non, ou bien venir à ma maman, quelqu'un dit de tuer mon papa, d'en parler. Toi tu acceptes d'aller tuer ton papa. Pourquoi? Ah, pour rien. Donc tu voulais tuer ton papa. Et quand tu dis mon oncle dit, c'est que toi tu as participé. Tout ce que lui t'a dit, toi tu as exécuté. C'est toi qui as tué. Pourquoi? Ton papa. Quand tu as tué, tu as eu deuxième papa. Oui. Où est deuxième papa là? Je n'ai pas deuxième. Tu n'as pas deuxième papa? Ok. Et tu as tué qui encore? Mon oncle. Ton oncle. Donc tu as continué à tuer. Quel oncle? Le frère de ma maman. Mmh, il n'a pas de nom. Tonton Bernard. Mmh, comment tu l'as tué? Il dormait. Ici là, c'est un endroit où il n'y a pas. Quand le sorcier vient ici. Il a oublié les effets de la sorcellerie. Chaque homme de Dieu a son don. Si tu quittes ici, tu fais sorcellerie, tu meurs. Peut-être qu'il peut mentir. Mais si tu as quitté ici, tu vas aller pratiquer sorcellerie. Tu es... Non, c'est que mort. Oui, allons-y. Il dormait. Mmh. Il fait quoi? Il dormait. Il dormait, tu t'as fait quoi? Tu as vu maintenant que sorcellerie, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Alors, hein? Mmh. Il dormait, tu te transformes en souris. Qu'est-ce que ça fait? Puis, tu es rentré dans la chambre. Il a dit son nom. Il a dit son âme est venue de ma main. Et puis il a transformé en mouton. Et puis il est égorgé. Tu l'as transformé en mouton et tu l'as égorgé. Mmh. Toi, ils te font pas pitié. Mmh. Tu sais que c'est le frère, ta maman, ton oncle, et tu le gorges sans problème. C'est dangereux, hein?
Non, son oncle, elle est en train de parler de son oncle maintenant. D'abord son père, et puis maintenant son oncle. Ah, le frère de son papa. C'est le frère de ton papa ou ta maman? Ton papa. Ah, d'accord. Allons-y. Quand il est gorgé. Pas le foie. Il est gorgé. Pas le foie. On a mangé. On y va. Hein? C'est sur ce sort que tu crées. Tu crées ce sort clair, non? Non. C'est différent. C'est ce sort clair. C'est les plus dangereux. Nous, on appelle ça rendez-vous en bas. On n'a pas le temps de mettre au berger, d'écraser au berger. On jette seulement dedans. Ça se trouve en bas. Oui, allons-y. Et on a mangé. Tu as mangé la tête et le cœur. Allons-y. Elle dit qu'elle est très dangereuse. Tu as gâté ton grand frère. Tu as fait quoi? Parti à l'école. Maintenant, au milieu de la maison, parti à l'école. Et moi, toi, là, ta tête ressemble à Pouchard. Hein? La fille qui a. Depuis, oui. Je me laisse toi tout à l'heure. Allons-y. Ça fait deux fois que je vois ta tête comme ça. Allons-y. Tu partais à l'école, mais au milieu de l'année, tu partais à l'école. Toi qui as attaché ta tête. Allons-y. Maintenant, tu partais à l'école au milieu de l'année, c'est mon effet, je lui parle de ton Dieu. Hein? C'est mon effet. Quoi? Je lui parle de ton Dieu. Tu n'expliques pas, tu as fait quoi, l'ami qui a été dans ton Dieu? Mon grand frère, tu partais à l'école, maintenant au milieu de l'année, tu partais à l'école, c'est mon effet. Tu as fait quoi encore? Allez-y, tu as fait quoi encore? Ils n'ont pas de nom, hein? Oui. Va rapidement, sinon je te laisse tout de suite. On y va vite. À chaque fois que je passe ton bras, je le chute. Tu fais comment pour qu'il le chute bas? Comment? Je ne mets pas de côté et tu tombes malade. Moi, j'ai gâté ma bouche. Et je lui prends de côté. Aide la main, clopin dans ton dos. C'est ça? Viens ici. Comment tu as mis ce clopin? Hein? Elle dormait. Maintenant, je me suis transformé. Je suis venu dans la chambre. Maintenant, j'ai dit que si je vois ma femme, je vais parler. Et vous, comment t'as mis? Quand j'ai parlé, elle a pris le temps qu'elle est venue dans la chambre. Ça veut quoi? Qui t'a fait ça? Hey, comment tu fatigues? T'as dit qu'il faut aller d'où? Un autre point, il faut aller vite. Elle devait devenir docteur. Hein? Elle devait devenir docteur. Ça veut dire quoi? Un médecin? Docteur, c'est quoi? Médecin? Tu fréquentes quelle classe? Quelle terminale? Bon, il faut que je te pose des questions pour qu'on avance. Il faut que je te pose des questions. Hein? Il a programmé aujourd'hui. Elle devait mourir aujourd'hui. Elle devait mourir aujourd'hui. C'est depuis quand tu l'as programmé aujourd'hui? Il y a longtemps qu'il est programmé. Mais pourquoi c'est aujourd'hui qu'elle doit mourir? C'est quand tu l'as programmé? Mais c'est aujourd'hui qu'elle doit mourir. C'est pourquoi? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'elle doit mourir?
qu'elle est malade. Hein? Elle est malade. C'est pas une raison. Il y a des gens qui sont malades sur l'air. C'est parce qu'elle est malade qu'elle doit mourir aujourd'hui. Pourquoi c'est aujourd'hui que la prière? Explique. Elle a déjà mangé, donc aujourd'hui, elle va mourir. Tu as déjà mangé. Tu as déjà mangé. Quelle chose j'ai fait? Chose claire. Un foutu est ri. Cette foutu est devenu le ri. Elle dit, ça c'est rapide. On ne garde pas. Ça va rapidement. Donc elle doit mourir aujourd'hui. C'est ça? Elle doit mourir aujourd'hui. Allons-y. Ça fait quoi encore? Mais si quelqu'un qui est mort, elle va se marier comment? Oui, tu crois encore? Non, j'ai entendu lui. Quelqu'un qui a mangé, tu vas voir qu'elle marie. Allons-y. Hé, tu as gâté qui encore? Qui? J'aime pas la lenteur que tu es en train de faire. Hein. Je suis pris. Hein. Tu crois en Jésus? Voilà, si tu crois en Jésus, rien ne pourra contre toi. Frédéric, ce que les sorciers menacent sur la terre, là, c'est moi. Il n'y a pas un sorcier qui n'est pas matin, qui ne va pas me tuer. Chaque matin, mais zéro. Parce que la Bible dit que toute âme forgée contre moi sera sans effet. Souvent, je les vois en train de venir, puis je deviens invisible. Voilà. Ils n'ont pas raison, ils ont force. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Entre Dieu et Satan, qui copie son camarade? Hein? Ah, c'est Satan qui copie son camarade? Voilà, vous pensez que quoi? Avec Dieu, il y a l'onction d'invisibilité. C'est ce qu'il dit aux gens. Vous lisez la Bible, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous priez comme après, c'est vous les sorciers, prends la nuit, tu vas briser, hein, manger un tchèque. Pourquoi? Pourquoi c'est vous? Hein? Il a dit son nom. Ta chance est mise dans ta main. Comment c'est mis dans ta main? Toi aussi tu manges âme. Tu es une mangeuse d'âme. Viens ici. Tu as gâté qui est qui dans ta famille? Elle va vite. Viens manger d'âme. Pardon. Hein? Vous avez déjà vu. Je vais écouter l'autre ténéré là. Oui, toi. Hein? C'est toi qui as donné. Comment tu as fait? Dans mon vie, j'ai un poisson à le partager. J'ai transformé son vin de l'homme et puis lui est dormi. J'ai transformé le poisson en vin de l'homme et puis lui est dormi. Et puis tu es devenu sorcière. Maintenant, quand toi tu arrives, ça fait quoi ça? Tu as dit à qui? Donc j'ai aimé ça. Quand tu es sorcellerie, tu as dit à qui? Donc tu as aimé la sorcellerie. Tu as fait quoi ça? Tu as tué qui? J'ai tué deux élèves de ma classe. Ah, les élèves de ta classe? Deux. Comment tu les as tués? Ça fait quoi encore? Il est caché au col de l'univers. Il n'est pas fait de base.
fais attacher maman. Tu fais un sauvage. Pourquoi tu es sauvage comme ça? Comment tu fais attacher ta maman? Mets la bouteille, mets la bouteille. Je bénis ton âme. J'arrache ton âme. C'est bon. Je bénis ton âme. À la puissance. Ceux qui ont des bouteilles dehors, coupe la vidéo.